dans une ferme de la province sud-africaine du Limpopo, Pontcho Matebula, mère de deux enfants, vérifie le système d'irrigation pour assurer une répartition uniforme de l'eau dans les champs. Elle fait partie des nombreux membres de la communauté bénéficiant du lancement par les brasseries sud-africaines Dab InBev d'un projet local de culture de citron vert. Ce projet vert vise essentiellement à appuyer la production locale de Corona, une bière premium. Les citrons verts importés signifient que l'on ne sait jamais quand ils seront disponibles et que leur disponibilité est limitée. Et deuxièmement, que leur coût augmente. Quand ils sont disponibles, ils sont incroyablement chers. L'opportunité qui s'est présentée à nous a donc été de localiser la production du citron vert. Alors nous investissons dans notre chaîne de valeur et dans nos communautés. À mesure que la bière d'origine mexicaine gagne en popularité en Afrique du Sud, une pénurie nationale de citron vert menaçait l'essence même du rituel de consommation de cette bière, à savoir insérer une tranche de citron vert dans le goulot de la bouteille. C'est ce qui a incité Sab à investir 999 000 dollars dans un projet local de culture de citron vert. Le groupe Komati est rapidement devenu la plus grande exploitation de citron vert d'Afrique du Sud, grâce à ce projet. Je pense que la relation avec AB InBev a été le principal moteur, non seulement parce qu'ils ont financé le projet, mais aussi parce qu'ils sont les principaux consommateurs de fruits. Ils ont le premier droit de prendre ce fruit et de l'utiliser dans leur bière Corona. Les autres fruits sont commercialisés dans un espace commercial normal, soit le marché local, soit en vue d'exporter une partie de ces fruits. Ce projet est aussi une bouée de sauvetage pour plusieurs personnes, comme Pontcho Matebula, une mère de 39 ans devenue la première femme à occuper le poste d'opératrice de vannes. J'ai connu la pauvreté grâce à ce travail. Mes enfants n'iront jamais à l'école le ventre vide. Ils ne vivront jamais ce que j'ai vécu. Ils pourront avoir un cartable, des chaussures aux pieds. Ils ne connaîtront jamais la faim. Pas seulement moi, mais nous tous qui avons des responsabilités dans nos foyers. Le projet de la culture du citron vert a changé la vie de plusieurs membres de la communauté bénéficiaire. Il y a un impact sur l'ensemble de la communauté en termes d'emploi et de bénéfices économiques, mais aussi, si l'on pense à l'économie agricole de l'Afrique du Sud, à l'expansion de la production de citron vert et à l'expansion générale des ventes de l'industrie des agrumes, c'est quelque chose que nous voulons tous voir se produire. En plus de son impact positif et durable sur la communauté locale, le projet de culture de citron vert Dab InBev contribue à la croissance de l'industrie agro sud-africaine et à la diversification de l'économie locale.